papa, tu tiens. Moi, je merci en pile, en pile, en pile. Parce que tu es venu, même la caron. La caron, pour nous décaparer. C'est la première fois que je suis en vie. Mais mon cher, regardez, vous crassez avec qui là, ouais, c'est ma bouette, moi seulement, non. Vous crassez l'école à Timounio, quatre Timounio, regardez, non, tout ce tirant a fait moi mal. Ok, je comprends, mon cher ami. Mais ça qui passe, c'est que c'est pour ça nous entrer, pour nous parler, pour nous connaître ça n'a fait. Je comprends mauvais son affaire. Je comprends toute mauvaise affaire. Mais c'est qu'on est qui ça. Qui sont en même fait pour vous? Parce que je ne vais pas parler de mon équipe de l'Europe pour pas te faire plus fâché. Qui sont en même fait pour vous? Mais mon cher, vous sont enragés, vous sont fiers de péter. Vous finissez de casser le véhicule en moins. Et puis, regardez, vous voulez laisser moi pour qui tout ça vous fait pour moi. Mais qui ça me voulait dire? Je voulais dire, quel que soit ça me fait pour vous, m'appelle pour vous. Parce que c'est un boss pète. M'a cherché Kaili et puis, bah ouais, les mouvés sous. Je vais faire pour vous, pas besoin de fâcher. Donc, d'abord vos os, vous apprenez ce véhicule là. Et puis, on va faire une boutique plutôt. Ou fini. Malgré tout ça qui finit passé là, pas chaud une chose pour moi. Et puis qu'on y a pour chaud une chose pour moi. Oui. Mon chapitre foutu de la gueule à la vraie. Oui. Tendez. Vous pas besoin de parler fort. C'est comprendre ou pas comprendre ça me là. Mais c'est moi qui a fait tout ça pour. Parce que vous sauvez la vie me douce ça. M'a fait tout ça, m'a préparé le véhicule là. Ok, m'a préparé le véhicule là. Et puis m'a bon petit boutique plutôt ça, ouais. Ah mon cher, ah, où t'as parlé ça en bon créole, mon cher. Ah, excusez-moi mon cher. Ah. Ok, pas un problème. Eh bien, nous finissons parler, oui. Ça m'a fait là, c'est que ma beau katam, qui a un téléphone là-dedans. Et adresse tout by net. Donc, connais Cindy. Mon cher, ma pressé tempérament en pile. C'est pour bien sûr. N'était pour quel que soit problème ou guerre, porte moi gagne ou vie pour. M'attend nous. Pour gagne tout le monde. Oh, Cindy, c'est. Bon, c'est Cindy en dedans. Oui, Cindy. Oh. Qui classe la fait? Cindy Ferex, saute des sols et baccalauréat. Oh, ou bien grand monde comme ça. Oh oui, très bien travail. Eh ben bon. Petit tour, on va le faire filo. Sans penser sur si le rentre la ville à l'école. Ou pas gagner en paye, non? Je prends tout le bagage en charge. Parce que je dois ça. Parce que vous sauvez la vie, je dis. Hein. Cam, j'ai une surprise pour toi. Va t'asseoir, Sandy. Si tu ne réponds pas, tu peux considérer que tu n'as plus de papa. Parce que tu papa ne m'aimes pas. Cam. Tu sais que je t'aime. Tu es mon trésor. Où est ma surprise? Ta surprise. Oui. Allons-y. Ok, papa, c'est quoi ma surprise? Mais attends, tu vas voir, chérie. Ah, tourne pas la tête. Voici Sandy. Wow, merci papa. Ok, chérie. Bonjour Sandy. Ok, je vous laisse. D'accord. Amusez-vous. Je m'appelle Camille. Papa me parle toujours de sa rencontre avec ta famille. Et surtout de sa rencontre avec ton papa. Ma mère est décédée quand j'avais 6 ans et ma sœur l'année dernière. Depuis, je vis seule à la maison. Papa a toujours peur de la mauvaise compagnie pour moi. Et puis, je m'ennuie à la maison. Je suis contente que tu sois là. C'est qu'on va s'éclater ensemble. J'ai déjà dit à tout le monde que tu es ma cousine. On est cousine alors? Tu sais, il ne faut pas mentir. Attends.
Allô? Mitch? Qu'est-ce? Devine! Devine! Je ne suis plus seule à la maison! Ok, je t'attends. Tu sais, je suis un peu confuse. Je vais être franche. Comment se fait-il que la fille de portefeuille soit si belle, si soignée? Tu ne reflètes pas l'image que j'attendais de toi. Celle d'une fille pauvre. Pardonne-moi, tu comprends. Je t'ai blessé, Son. Pardon. Je voulais simplement te mettre à l'aise. Je comprends. Tu es l'enfant gâté qui n'a d'autre distraction que de s'initier les affaires d'autrui. Arrête. Tu n'es pas n'importe quel autrui pour moi. Tu es ma cousine. Ta cousine? Nous n'avons aucun rapport de consanguinité ni de filiation. Tu te trompes. Parfois, les étrangers donnent plus de goût à la vie que sa propre famille. Je ne sais pas, mais brusquement, je te trouve sympathique. Me voici. Oh. Où est-elle, la paysanne? Tu te fous de moi? Tu plaisantes toujours, toi. Tu m'avais dit que c'était la fille de... Bourretier. Je constate que tu as fait une vraie propagande à mon sujet, Camille. Eh bien, voilà. Ma famille n'a que 2 enfants et je suis la première dans la fratrie. Aux abords de mes 4 ans, ma mère, n'ayant plus personne pour me confier la garde, était obligée d'aller au marché avec moi chaque matin. Cette routine était déjà vieille de 5 mois lorsqu'un jour une sœur chrétienne, fascinée par ma beauté, dit-elle, nous suivait jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen idéal d'aborder ma première protectrice. C'est alors que ma mère, de par la tradition d'avoir confiance aux représentants de l'Église, se laissait envoûter par le plaisir d'exposer sa situation à la belle femme qui se tenait devant elle. Mon père, en apprenant la nouvelle, se faisait toutes sortes d'histoires avant de s'habituer à l'idée de me laisser partir enfin une semaine plus tard. Ainsi, j'y ai grandi et reçu une éducation soignée. Je n'avais rien à envier à d'autres jeunes, pauvres ou riches. J'ai eu la chance de visiter de nombreux pays grâce à ma performance scolaire. Étant donné que la situation se présente maintenant, j'utilise la force de la persuasion pour faire croire à mon père que je voulais respirer un autre air, que celui d'entendre des amen et des alléluia jour et nuit. Et vous connaissez le reste. C'était pas tant tout ça. Tu as de la chance d'avoir rencontré Sean ici. Jusqu'à matin, nous étions seuls amis. Mais qu'on y a, nous pas caché du Sandy ou dans l'isla. Waouh, quelle belle équipe! Toi, Sandy et moi. Immortalisons ce moment. Merci, mademoiselle. Mademoiselle Camille, où étais-tu passée? Je ne sors presque pas. Cherchez un livre sérieux pour moi, t'en prie. D'accord. Ouf! Le soleil me tape sur les nerfs. Autant que moi. Heureusement que c'est notre dernière course avant la rentrée des classes. À propos, Son, je vais t'édifier une bonne fois pour toi. Ah oui, très important. Il y a le clan Couteau de Bois, duquel tu dois complètement te méfier. Mais ça n'a pas joué vrai, non? N'a fait qu'à me sauter. Eh bien, écoute. Il y a Bonnie, coquin comme lui seul. Mais si c'est bye from grosse, promette mariage. Il y a Foggy, un charmeur pas comme les autres.
C'est un grand monde seulement checké. Oh, il y a Claude, le tapageur le plus imprévisible. Et Morvin, c'est le roi des animaux. Avec lui, aucune fille n'est à l'abri. Tout ce qui vient passe. Sauf moi. Qui s'excuse s'accuse. Je ne m'excuse pas, je donne une information. Son, méfie-toi. Méfie-toi. Je peux leur parler tout de même. Avec un bouclier, ils sont toujours sur pied de guerre. Si je comprends bien, cette école, c'est un champ de bataille. La bataille, c'est pas contre eux. C'est contre le clan des vermines de Cole. Les filles, la commande est prête. Merci, au revoir. Au revoir. Et Maryse, tu m'apportes le dossier de Sandy. Sandy Joseph. Merci. Pourquoi ce bruit? Mais tout d'abord, moi, nous ne savons pas ça. Il y a peut-être quelque chose aujourd'hui que nous ignorons. On doit pouvoir le découvrir. C'est comme s'il y a une fête. Vonette, va en reconnaissance. Ou pas caler tout? Ou pas attendre Vonette. Ok. Anis, a mes second bonne belle pintade dans 6e là. On a pas déchiré. Ça me dégueule. Ça, c'est une beauté. C'est les affaires. Moi, je vois trois beautés. Mais imbécile, je parle de la nouvelle. Non, je ne crois pas. Tu as maintenant une copine officielle. Tu dois la respecter. C'est un décalé. Pourquoi pas? La voilà qui arrive. Où étais-tu? Mais je voudrais avoir toutes les informations. Il y a un problème à cela? J'étais à suivre deux garçons qui se parlaient et qui commentaient au sujet de la cousine de Camille et qui, d'après eux, est la personnification de la beauté. Là, mesdames, on a de la compagnie. So, Bella! Comme les meilleurs, c'est non plus bon. Moi, je les trouve plutôt normal. Si elles sont comme nous, on aura affaire à faute partie. En tout cas, mesdames, ne nous laissons pas faire. Seulement, pas faire monde. Où qu'on est nous capables? La nature a fait l'homme pour avoir plusieurs filles. Et tu oublies que l'homme est dominateur, le chef de la femme? Et je comprends fort mal que le fait d'avoir une amante signifie qu'on soit cadenassé pour les autres. Mais tu exagères. À qu'on cadenasse 5 lits. Alors, mesdames, vous n'avez pas de c'est de l'eau qu'on a. Oui, c'est papillon, yo c'est flé. Baga ça pas la mode qu'on a, men. Mesdames, vous m'avez pas de papa. Eh bien voilà, ma pédé ou émancipé. Bon, attends-moi. Quand tu parles avec toute femme ça, papa? Ah, moi non, nèg. Où qu'on est fille? Toujours vu et derrière yo, et moi m'a même mon agacé. Qui ça dit yo? En pile menti, mon cher. C'est pas bon fille menti. Il va j'aimerais m'avoir. Eh, kate. On va d'accord, mon cher. Ou connaît que fik parait même une barre menti? Eh eh papa attention. Même s'il pas prend l'embouchure, la prend l'embouchure l'autre nèg quand même frère. Et puis c'est la loi de la jungle. Alors, ou obligé bal mentir? A nous pas guerre nèg ça a qu'un bonjour. Kembe. Pour ça me te voler hein. Ouais, dis m'tap dire ça. Moi ne peux fin. On courir sans freiner. Tel est prix qu'il croyait prendre. Le pas jambe trop ta pour apprendre. Mais métier c'est marcher by coup. Y'a les victimes dans ses pral ou. En tout cas, il y a beaucoup moins même frère. Véo! Monsieur Mérambo, tendez ma vie copie ligne. J'ai passé un merveilleux moment. Le dîner était délicieux. Ça, tu peux le dire. Je crois que cette restauratrice a assez d'arguments culinaires pour fidéliser sa clientèle. Je compte bien amener Camille un de ces jours. Quoi? Sans moi alors? Comment ça sans toi? Nom de Dieu, c'est pas croyable. Oh. Est-ce que je ressemble à une prostituée? Qu'est-ce que tu racontes? Une aventurière alors. Écoute, tu ne m'as pas encore présenté à ta fille. Et tu veux nous mettre l'une face à l'autre dans un restaurant en plus. Chérie. Tu es responsable, Maxime. Sois pas aussi méchante.
Camille est tout simplement jalouse et possessive. Et que moi, je cherche le meilleur moyen pour ton intégration dans la famille, mon amour. Oh. C'est simplement ça. Oh, et c'est la meilleure façon pour toi, c'est de commencer par la pire? La pire? Tu as bu? Là, tu m'accuses. Tu sais parfaitement bien que je ne bois plus. Ok. Ramène-moi chez moi. Comment ça? Je veux rentrer, Maxime. Mais chérie... S'il te plaît. Ne gâche pas ce... Stacy. Ne me touche pas. Je t'en prie, mon amour. Écoute, chérie. Ça, c'est ton Maxime, chérie. Il n'y a pas d'autre. Ton Maxime, chérie. Chérie. Oh, baby. Chérie. Je t'en prie, chérie. Tu sais que je t'aime, Maxime. Plus fort que mon métier. Je t'aime aussi. Allons, si tu veux. Tu as déjà vu Carla? Non. Elle ressemble à une vraie gosse. Comment tu m'appelles la classe là? Oh, petite. Il est stupide. Bon, nous pas occupés, yo. Même entre eux, yo, oui, yo fait vermine. Comme ça, oui, petite. Bonjour Camille. Bonjour Fogg, comment vas-tu? Mal. Mal? Et pourquoi? Tu aurais pu nous présenter ta cousine? Ou pas quitter ou même, j'allais oublier. Monsieur, voici Sandy. Sandy, voici. Foggy. Sandy. C'est quoi jusqu'à présent? Sandy. Bonnie. Sandy. Et moi c'est Marvin. Sandy, tu es vraiment ravissante. C'est la première phrase qui caractérise toujours la rencontre d'un jeune homme et d'une jeune femme. Heureuse de vous avoir connue, messieurs. J'espère que tu te sens bien maintenant, Foggy. Un peu. À plus tard. À plus, Camille. À plus tard, Son. Son, méfie-toi de Marvin. Il est le plus dangereux de l'école. Ah bon? L'économie se divise en deux grandes parties, en deux grands volets, disons en deux grandes branches principales. Il y a la micro d'une part et d'autre, il y a la macroéconomie. La microéconomie étudie le comportement d'unités économiques individuelles. Monsieur, mauvaise posture. La microéconomie étudie le comportement d'unités économiques individuelles. Tu peux entrer, mademoiselle. Je reprends. Elle s'intéresse, la microéconomique, aux facteurs déterminant la composition globale. Le comportement des consommateurs... Veux-tu sortir, monsieur? Bravo, c'est gentil. Le comportement des consommateurs, la microéconomie est souvent désignée sous le nom de théorie des prix. Mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Juste quelques questions. Avant de partir, une autre question au fond, vas-y. Excusez-moi monsieur, ma question n'a aucun rapport avec le cours, mais... Vas-y, te gêne pas. Ok. Est-ce qu'un jeune garçon de 17 ans peut vraiment aimer une fille? Me voici dans mes petits souliers avec ta question. Juste avant, Sandy, serais-tu sous le charme de quelqu'un? Oh non, monsieur, pas ça. C'est pour mes connaissances personnelles. Les hommes de 1 à 100 ans, je les considère idem. Ils ont tous un discours mécanique. Et ils disent tous les mêmes choses à toutes les femmes. Chérie, je t'aime, tu mens. T'as truc sans fondement que
puis toutes les femmes aiment écouter et qui leur creusent une tombe sentimentale. Ils ne font que magnifier tes qualités, sans jamais effleurer tes moindres défauts. Ils ne disent jamais « je te hais, t'es laide » au moment de leur conquête. Ils sont dociles, soumis. Pourquoi font-ils tout ça à votre avis les filles? Pour votre beauté? Votre attrait physique? Non. Ils font ça juste pour le petit appareil à deux tranches qui se trouve sous votre culotte. Et ils sont aussi charnels que naïfs. Questionne-toi, Sandy. Prie Dieu pour qu'il puisse t'aider à orienter ton choix. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, mes chers amis. Entre dedans, petit crétin. Courage vous même, qui m'attend pour aller étudier là? Biologie là dans le nouvel composé. Moi c'est maintenant j'aime quand je fais biologie à ce moment. Bref, travail mathématique tout parce que je pas bon là-dedans. Class repeat after me. Si mesdames yon pas de gain devant. Si mesdames yon pas de gain devant. Messieurs yon te met mouri. Messieurs yon te met mouri. Et si messieurs yon mouri. Et si messieurs yon mouri. Qu'en est-il de mesdames yon? Qu'en est-il de mesdames yon? Si mesdames yon pas de gain devant. Si mesdames yon pas de gain devant. Messieurs yon te met mouri. Messieurs yon te met mouri. Et si messieurs yon mouri, et si vous êtes un beau. Moi qui figme. C'est mon courri. Ou personne dit. Ou téléphone sans fil ça. C'est où pour te faire ça vrai? Si, tu le dis.
Je vais te dire, je ne te ressens pas, tu ne me ressens pas. Je suis ce que tu ne seras jamais. À qui aussi parler ainsi? À toi, cocorate. On a peut-être mis quelques pages dans ton livre de convenance. Même chien mal appris n'oserait s'adresser ainsi à son semblable. Regarde-toi, tu as deux pieds, deux mains, comme tous les autres. Mais malheureusement, là, tu n'es pas dans ton univers. Ta place est très loin d'ici, dans une pocherie par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de mieux de toi? C'est toi qui es une cochonne, une élevée par soi-même, un virus, une pourrie. Tu ne payes personne de tes saloperies. Sans bouchou fine pourrie sale là. M'bito pressante yon moi qu'a décomposé m'pas prendre sans bouchou. Espèce de dépravé. Comme ta mère qui ne fait que traîner avec les professeurs pour embellir ton cornet de bonnes notes. Ou saisie, parole la gaille, tu n'es qu'une sale égoïste. Tu ne fais que détruire la vie de tout le monde avec tes comportements précaires. Ou qu'on en bagaille, qui descendit en paix, tendez, c'est ça avec moi, Pchouen. Flatteuse, tu me fais pitié, ou pas de cas l'autre gens. Ou commencez à vomir trop pris vous-même, non, plutôt mal chercher au bon qui pour vous. Pour qu'à boire, ou ta moyen grossi pour j'en boire graine. D'un coup. Sortez, tu me m'as pris, coucou. Pourquoi pas faire un cas là même? Quand ça te fréquence? Je ne pas moi élastique, mais même quand ça passe à même, non? C'est moi le papa. C'est moi le papa. Son, est-ce que je peux te parler un moment? Laisse-moi tranquille, Marvin, tu veux? Je veux bien, mais pas avant que tu ne reprennes ton numéro de ce matin. Et puis, ça me fait vraiment de la peine quand je vois quelque chose entrave ton bonheur, tu sais? Comment? Tu me connais à peine pour être si sensible à mon bien-être. Ensuite, mon bonheur n'est pas entravé. Et même s'il le serait, tu n'y pourrais rien. Si je n'y peux rien, qui d'autre pourra? Ou du moins, qui d'autre vaudra comme je veux? Je suis là pour toi, pour te comprendre et à t'aider. Je t'en prie, permets-moi d'alléger ton fardeau. Ça, c'est une entrée en matière. Marvin, le moment est vraiment mal choisi pour ce genre de discours. En plus, tu n'es pas là pour moi, tu es là pour l'école. Écoute, tu dois changer. Je peux comprendre que tu te méfies de tout le monde, mais je ne veux pas être méfié quand il s'agit de toi. Faites-moi ton confident, s'il te plaît. Ok, si je le fais, tu me laisseras tranquille. Bien sûr. Bien, je vais lancer un appel d'offres sur les journaux. Peut-être, tu auras ta chance. Au revoir, Marvin. Allô? Marvin, Marvin pas là. S'en fait là. Bon occupé. À la cao. Chérie, nous pas comme même. Allez, 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 allez. Causons, c'est pas ça. Ça va faire rien, allez, allez, allez. Allô? Comment vas-tu, chérie? Toi, Marvin? Mon amour. Ton amour? Tu es tombé sur la tête? Écoute, je ne suis pas d'humeur à entendre ces chansons traditionnelles. Non, tu te trompes. Je ne t'appelle pas parce que tu es d'humeur à m'entendre ou pas. Mais je veux te faire connaître la vérité. La vérité? Quelle vérité peut sortir de la bouche d'un charnel et d'un naïf comme toi? Là, tu imites ton professeur. Bon. Libre à toi de penser ce que tu veux. Mais après savoir dorénavant que ton comportement ne saurait dérouter ma conviction. Ou pitié toujours. Bon coq qui bon coq fait bec à terre. Et puis ou même sauve les femmes colères. Tu ferais mieux d'aller étudier tes leçons. Bye.
parler de la culture. C'est toujours avec le même enthousiasme que je vous retrouve chaque samedi pour assister à Génie Royal, la culture de l'excellence. Aujourd'hui, c'est la dernière des semi-finales. C'est aussi le soir de la revanche pour le Collège Royal qui a récemment été battu par le lycée Henri-Christophe. L'enjeu est de taille. L'intérêt est majeur car l'une de ces deux équipes va devoir laisser Génie Royal au terme de cette rencontre. Pour le lycée Henri-Christophe, Dashka Estimé, Alia Jean, Tatiana Aurélius, Deborah Ulysse, Juliette Cardinaire. Et je défends l'équipe auprès du jury comme assesseur Dave Pierre. Carla Jean. Montaguer. Mathéo Baptiste. Maria Chambert. Olivier Chirenfant. Et on présentera l'équipe auprès des membres du jury. Renel Augustin. Et comme le veut la tradition, avant de lancer le duel, nous faisons appel à la magnifique voix de Vonnec Charles pour nous interpréter l'hymne à la jeunesse. Vonnec Charles. Nous te voulons, chère patrie, puissante. Les yeux, nous te voulons, terre bénie, digne à jamais de nos Ces jours-ci, l'atmosphère de la classe est très accablante. Trop de faits insolites. Moi, je m'amuse comme une folle. Qui ne le constate pas, surtout avec ton nouveau copain Bruno? Ah oui, un type vraiment charmant. Mignon. En tout cas, moi, je n'arrive pas à balancer même la première équation. Tu es déjà là, tu travailles vite. Attends-moi quelques secondes. On va essayer de le résoudre ensemble. Ce professeur est très astucieux. Ses devoirs sont toujours remplis de pièges. On l'appelle l'homme à pièges. Je suis fatiguée. Je ne peux plus réfléchir. Je vais appeler papa pour nous porter secours. Rentre en bas maintenant, rentre en bas maintenant. Mais Camille. Ah, ça va me fréquent. Chérie, rentrez pour le parois. Nous trouvons bien fréquent. Chérie. J'arrive. Papa. Cam. T'es encore debout à 7h? Hein, chérie. Tout comme tu es debout. Et... Tu aurais pu me présenter la remplaçante de maman au moins. C'est Stacy. Elle est ma compagne depuis 3 ans et demi. Tu sais ça, hein? Elle a tout ce qu'il faut pour entretenir une famille et une maison. Et je t'oblige la gentillesse envers elle. Et moi qui pensais que c'était une aventure. Chérie. Tu l'aimes? Chérie. Espèce de garce! Tais quoi? Tu dois lui demander beaucoup de respect. C'est la première fois aussi que je maudis le ciel de ma mort. Oui, ma mère. Chérie. Elle n'aurait pas profané la maison comme tu le fais, quoi. Pas chérie. Tu m'avais promis sur la tombe de ma mère que jamais tu pourrais aimer une autre. Je t'ai toujours pris et t'ai fait prendre par tout le monde pour un modèle de père. Et toi, tu n'as pas honte, c'est le lit de ma mère. Tu vois, Maxime, tu vois la boucle, non?
Tu me déçois. Je ne suis plus ta fille. Heureusement que j'avais ce dit. Bonsoir. Je peux avoir Camille? Elle est avec son papa. Tu es ça? Je suis une grande fille. Tu as fait tes devoirs? Non, pas encore. Je ne peux pas me concentrer. Alors, va te reposer. Tu es peut-être fatiguée. Mais je suis au repos. Et d'ailleurs, je me sens beaucoup mieux en te parlant. Mais tu as demandé pour Camille. Non, non, c'était un prétexte. Je voulais de préférence avoir de tes nouvelles. Ah oui, c'est du nouveau ça. Tu m'avais vu à l'école, si je me rappelle. Tu sais que je tiens beaucoup à toi, chérie. Encore une autre personne qui tient tant à moi m'appelle si tardivement pour avoir de mes nouvelles. Mon amour, écoute-moi. Mais somme, vous ne manquez pas d'audace. Ne dis pas ça. Vous ne pouvez pas changer de discours. Oh chérie. Vous me dégoûtez. Je t'aime, Sandy. Salut, Célien. Mais nous avons fait grimace comme ça. Ben ça. Oh, tu n'es pas dû te comporter comme ça avec papa. Il est un homme. Il peut s'aventurer avec qui bon lui semble. Je n'ai pas fait pour le choquer. C'est juste par jalousie. À part maman, je ne veux pas le partager. Je sens qu'il m'appartient. Ça, c'est de l'égoïsme. Tu as ta vie, il a la sienne. Penses-tu qu'il va pouvoir te consacrer tout son temps? Tu dois lui demander pardon. Pardon? Ça, jamais. Sinon, il va continuer à nous donner des concurrentes. Ce ne sont pas nos concurrentes. Nous sommes ses filles. Elle, une aventure. L'aventure peut devenir éternelle. Là n'est pas la question. Tu dois t'excuser auprès de ton père. Ne cherche pas la petite bête. J'aurais préféré laisser la maison. Chantage. Notre éducation ne te le permettra pas. Cela va se voir. Tu as assez parlé. Tu vas le faire. Tu es la plus petite et je ne vais pas tolérer que tu sois la pionnière d'une désobéissance familiale. Parfois, il faut enfreindre les principes pour changer une situation. Pas dans cette maison, ni tant que j'y suis. Tu soutiens toujours ton père, même dans ses bêtises. Tu sais que c'est faux. Je suis pour l'unité et je tente d'aimer l'union familiale. Marvin, tu n'as rien d'autre à faire que de m'enquiquiner à cette heure. Hé, la tempête, ce n'est pas Marvin, c'est Mitch. Excuse-moi, je ne sais plus quoi faire avec lui. Il ne me lâche d'une semelle. La meilleure chose à faire, ma petite Sandy, est de l'ignorer. Il n'est pas ignorable. Oh, tu commences à parler. Tu l'aimes alors? Au fond. Quoi t'aimes-tu pour belle mettre vagabond ça? Je dis ça parce que tout simplement, moi, le collé dans le collé. Puis mal passé, tic. Pendant cet homme, dit-il. Par aimer et me pas prémarrer. L'avenir dira le reste. On ne quitte causer ça. Ou faire devoir.
C'est pour ça que je suis là, je suis petit. Ni nous même tout, oui, depuis notre deuxième mois, nous sommes là. Ça m'a fait là. J'ai une autre idée. Demain matin, avant l'école a bien bonné. N'a pas copié devant son petit monde qui fait. Moi, je vais pas poser au nom. Moi même tout. Eh bien, ok. À demain. Bye. Eh, ma fille, les maths, tu dois y penser sérieusement, hein? D'accord? Excusez-moi, monsieur, c'est inconcevable. Comment se fait-il qu'une inconnue figure sur la liste des candidats retenus pour l'élection? Bonjour, Medine. Oh, bonjour, monsieur Bordon. Mais je ne fais qu'appliquer les principes. Appliquer les principes? Les principes stipulent quoi? Que n'importe quel élève de l'école peut faire partie du comité central. Et cela, qu'importe son âge, son sexe, qu'il soit connu ou inconnu comme tu viens de dire. Et en plus, moi, je n'y suis pour rien. C'est Carla qui l'a inscrite à sa place. Quoi? Carla? Oh non, ce n'est pas vrai. Merci, monsieur. Je t'en prie. Hey, pourquoi tu as fait ça sans notre accord? Pourquoi? J'ai vraiment honte de toi. De quoi parles-tu? Mais de l'inscription de Sandy. Je pensais justement la faire ridiculiser par les autres élèves de l'école. Tu pensais? Tu aurais dû penser avec nous, imbéciles. Maintenant, c'est nous qui allons être ridiculisés. Imagine-toi qu'elle soit élue. T'es folle! Morvais se cramponne à la présidence de l'école depuis 3 ans. Personne n'a pas qu'à prendre place ça. Allez, ouais, tu sens tes pieds blanches. Ensuite, j'ai toujours un plan de redressement, même dans les situations les plus difficiles. Tu vas le cracher cette fois-ci. Comment tu procédais? Je sais que c'est interdit de se faire inscrire au plan entier. Dans toute règle d'exception, c'est du directeur. Et puis, sous est petit, il s'est fait piéger comme un bébé. Pas dim ou... Facile comme ça. Et puis, dans direction. Non, ma chère, je promets lui. Non, promets comme ça, je ne bouchon, oui. Je contrôle la situation, pour qui pour? À Sandy. Aïe. Ça me tendait la petite. C'est bizarre. Je pas j'ai une explication sur l'inscription dans l'élection. Ça. Bagay, ça drôle, vrai, oui. Ça qui est là, je dois inscrire moun. C'est vous qui pouvez inscrire tout. Moi, mais ça, moi. C'est directeur seulement qui recevra candidat. Yo. On a le côté de vous capi clé. Viens avec ça, je pas qu'à supporter. Ou avec c'est même. Gonsoir de bagay dans la vie. Ben, on va glauber pas qu'à comprendre. Donnons du temps au temps. Merci. Bonjour mes enfants. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour l'élection du président du comité central de l'école. C'est une activité parascolaire qui va nous permettre de faire l'apprentissage de nos droits et devoirs citoyens. Vous avez en face de vous les candidats. Pendant toute la semaine, vous avez lu, vous avez vu et vous avez aussi interprété leur programme. Ce matin, vous allez leur poser des questions. Je souhaite que cela se fasse dans la plus parfaite convivialité et dans la plus totale discipline. Nous vous revenons dans un instant. Merci.
Je suis laborieux, intelligent et créatif. Diriger n'est pas facile, mais j'ai confiance en votre coopération. Avec moi, mes chers amis, c'est laboratoire d'informatique, laboratoire de chimie, labo de physique, des congés. Mais non, depuis la sixième, et mes trois récents mandats consécutifs à la présidence de l'école peuvent vous le prouver. Ensemble, nous pouvons réaliser des choses inimaginables. Soyez autonomes et votez avec intelligence. Regardez dans mon programme et vous verrez que l'école ne saurait fonctionner sans un homme énergique, sans un âme progressiste comme Kant. N'hésitez pas à tremper votre doigt pour m'aider. Vous ne sauriez atteindre aucun objectif sans faire appel à votre cœur. Et c'est l'amour que vous avez dans votre cœur qui vous permettra de choisir le meilleur. Je vais demander à la direction d'accepter 7 comme moyenne pour les examens de passage. Si mon programme vous paraît bénéfique, votez pour moi. Autrement, votez pour l'un des deux. Mes amis, laissez votre destinée entre les mains de Kant. On offre ce qu'on a. Moi, j'offre mon savoir-faire contre votre bulletin. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le progrès de mon école. Je suis Cathy, élève de 3e. Ma question s'adresse à Kant. Comment allez-vous faire pour concrétiser tous ces projets d'envergure? Voilà, voici tout ce que je prenais lors de ma campagne. Cathy ou Tati, tu fais preuve d'une inattention palpable, mais tu n'es pas intelligente. Tu as mon programme en main où sont inscrits les projets, les objectifs, les moyens disponibles et les sources de financement. Tu dois savoir et pouvoir maîtriser ton environnement direct. Et de surcroît, ces genre de questions nous font perdre de temps. Mes amis, épargnez-nous l'incompréhension, s'il vous plaît. Le temps est précieux. Merci. Je suis Mathéo, élève de terminale. Ma question, c'est pour toi. Est-ce que tu seras toujours accessible à tous tes soupirants si tu deviens présidente? Toujours accessible? Je ne comprends pas. Mais oui! J'ai bien peur qu'une fille naturellement légère comme toi n'applique ses principes de légèreté au détriment des élèves de l'école et au profit, bien sûr, de tes plus récents tombeurs comme Watson, Stevie et Bruno qui affirment t'avoir déjà baisé. Oui! Évitez-nous la considération personnelle. Je tiens à répondre, monsieur. Mathéo, je te félicite pour ta franchise. C'est une très bonne qualité. Mais je réclame ton attention pour te dire que les ragots et les diffamations ne m'ébranlent jamais. Je suis comme un avion qui plane au-delà de toute mesquinerie et de toute critique destructrice. Et pour ton information, bien que ça ne te concerne pas, de toute ma vie, aucun homme ne m'a encore touché. Je suis vierge. Silence, silence, ou je fais évacuer toute la salle. Ce n'est pas un cours de critique ici, ni l'occasion de salir la réputation de qui que ce soit. Qui parmi nous est saint? Qui parmi nous n'a jamais commis de bêtises? Soyez donc conscients de cela et laissez-la continuer. Ce n'est ni vierge délivrance, ni vierge miracle, ni l'autre, mais celle qui, malgré son étrangeté à l'école, malgré sa façon insolite d'inscription à l'élection, a le courage, l'audace de mettre ses qualités au service de sa communauté. Celle qui vous apprendra que toi, tu n'es rien sans moi, et que moi, je suis nul sans toi. Je vous en supplie, chers camarades, ne suivez pas l'exemple de Mathéo. Respectez les désirs des autres. Respectez vos limites. Vous êtes jeune. Et la jeunesse est l'étape la plus importante de votre vie. Une société qui adopte hypocrisie et malversation est sans avenir. Thank you.
Alors? Carla, comment vas-tu ma belle? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Matteo? Tu le sais déjà. Tu n'as pas tenu ta promesse. Ah, la promesse. Pardonne-moi. J'en ai tellement fait à tellement de gens. Qu'est-ce que je t'ai promis encore? Tu m'avais promis de coucher avec moi si j'avais posé la question à Sandy. Oh, je me souviens maintenant. Le problème, c'est que mes parents sont très jaloux. Nous ne pourrons pas le faire chez moi. Tu n'as pas une chambre? Oui. Alors, je viens chez toi. Peut-être que tu viens? Maintenant. Ben, je t'attends. D'accord. Si le bonbon sent bon, le bonbon est bon. Mais si le bonbon ne sent pas bon, le bonbon n'est pas bon. L'ouvre bonbon ou non, ferme bonbon ou non. L'ouvre bonbon ou non, ferme bonbon ou non. Car là on a oublié aujourd'hui. Pas mal. Albert et Marc. Ben déjà, bébé. Albert et Marc. Puisque tu le veux. Le monter terrain hein? Ah. Bon, je dois filer. Mais on n'a encore rien fait. Tu es fou? Je viens tout juste de coucher avec toi, dans ton lit. Non, tu viens juste de coucher à mes côtés. À ton avis, coucher avec toi, c'était quoi? Ah, bon, je vois. Tu voulais me faire l'amour. C'est encore possible, si tu acceptes de me rendre un autre service. J'ai bien entendu, faire l'amour. Exact. Mets serviette ou mais, m'a pas été bien joué de ça. Comme nous disons, Matt. Carla, on va lui mettre un petit beau parfait pour moi-même. Ferme tes yeux. Votre attention, s'il vous plaît. Ce soir, nous sommes réunis pour départager les deux candidats qui ont obtenu le même nombre de voix. Je veux parler de Sandy et Marvin. Nous allons passer au vote direct. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît.
avec tout le respect que j'ai pour l'électorat et la direction de l'école, je m'avoue offusqué, indigné et même humilié. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre comment, premièrement, moi, membre, j'ai pu être gagné dans une élection au Collège Royal par une inconnue fraîchement arrivée. C'est tout à fait impensable. Ma popularité est trop monstre. Deuxièmement, si j'avais à imaginer un challenger, ce ne serait jamais Sandy. Mais de préférence Kant. Comment comprenez-vous cela? Elle est une inconnue. Qui est-elle? D'où vient-elle? Que savez-vous d'elle? Rien. Cependant, malgré toutes ces interrogations, vous avez consenti à voter pour elle. Cette attitude prouve que malgré sa jeunesse à l'établissement, elle a su vous inculquer quelque chose. Elle vous a inspiré du nom. Et par respect pour son sens d'intégration et de persuasion, je renonce à l'affronter ce soir. Elle mérite d'être la présidente de notre école. Et je demande à tous mes supporters d'acclamer ce soir la nouvelle présidente de Collège Royal, Sandy Joseph. Mes amis qui me soutiennent dans toutes mes entreprises. Maxime qui m'encourage malgré moi. Aujourd'hui, je suis émue d'être la présidente du Collège Royal. Je connais mes points forts. Je n'ignore pas mes nombreuses limites non plus. Croyez-moi, elles seront toujours classées dans la rubrique limite si vous ne m'accompagnez pas jusqu'au bout. Je ne suis pas une monsieur, une maestro non plus, mais la collaboratrice la plus proche de chacun de vous. Je suis déjà l'esclave de vos suggestions et de vos conseils. Merci de m'investir de votre confiance. Et pour manquer mon passage à l'école, nous avons trois rêves à concrétiser. Être championne à Génie Royal. Le journal de l'école Royal Magazine et trois journées de couleurs consécutives. Pour une surprise, c'en est une. Tu es vraiment élue présidente du Collège Royal. Les femmes à l'honneur. Si vous saviez, mesdames, ce soir-là, j'ai fêté l'événement. Mais c'est Stécie qui arrive. Elle, on l'a saluée. Je ne tolère pas cette vermine. Joue pas à l'indifférente, Karen. Je ne joue pas à l'indifférente. Elle est en train de me voler, mon père. Mm-mm. Je ne suis pas d'accord. Stécie n'a aucun tort. Au contraire, c'est elle la victime. C'est ton père qui aurait dû agir en responsable. Allons, Cam. C'est la présidente qui te parle. Tu es à peine élue présidente et tu portes déjà le manteau d'une dictatrice. Voyons, ne te fais pas prier, Camille. Bonsoir, mesdames. Waouh, Stécie, comme tu es croquante. C'est gentil. J'ai appris que vous vous êtes surpassée. Félicitations, mesdames. Merci. Merci. Garde tes compliments dans tes poches. Et puis, tout le monde nous a déjà dit ça. Excuse-moi, tu es la dernière personne que je m'attendais à voir ici. Pourquoi tu es venue? Pour qui, tu devrais dire? Vraiment? Et pour qui alors? Mitch,
Sandy, soyez gentil, laissez-nous un moment, vous voulez? Cam, s'il te plaît. À plus tard. À plus tard, Cam. À tout à l'heure. Camille, je sais que tu aimes toujours ta mère là où elle est. Mais tu dois t'habituer à l'idée que si elle n'est plus là, c'est la volonté de Dieu. Depuis fort longtemps, je constate que tu me traites ton adversaire. Jamais je ne serai. C'est ton père qui a commis l'erreur dès le début de notre relation. Non, Stacy, c'est toi qui es en train de commettre la plus grosse bêtise de ta vie. Tu veux déstabiliser une famille, ma famille. Depuis lors, mon père ne balade plus avec moi. Il sort tôt, il rentre tard. Mais c'est à cause de son travail. Son travail, c'est ce que j'ai vu sur le lit l'autre soir. Ma chérie, ça fait partie de la vie d'un couple. Mais vous n'êtes pas un couple, ne te leurre pas. Tu es peut-être l'unique personne qui satisfait la gourmandise sexuelle de mon père. Ma chérie, j'aime ton père et je t'aime aussi. Non, Cécile, ta mémoire est courte. Tu ne peux pas aimer une gosse. Et tâche de savoir que la seule personne de qui mon père est aimé, c'est ma mère. C'était ta mère. Arrête de parler de ma mère au passé. C'est ce que tu ne pourras jamais comprendre, Cécile. Elle est morte, certes, mais l'amour qu'elle a imprimé sur sa famille vit jusqu'à présent en nous, mon père et moi. Ensuite, tu vois, je sens son parfum, sa tendresse, sa joie. J'imagine fort mal comment je vais supplanter tout cela de mon cœur pour livrer passage à tes ennemis. Mais ce qui est égoïste. Camille, donne-moi une chance. J'aime Maxime. C'est à sa fortune que tu t'accroches. C'est pas vrai. Je t'en supplie, Stacy. Efface-toi de notre chemin. Éloigne-toi de mon père. Je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Allô, Maxime, je n'ai pas réussi. Maman, am pas bon, c'est moi de bouse. Mais qu'on y a fait une petite toute comme l'école là dans le bolette, ou vine côté mamie Carla. Oui, Carla, pas ferme la morale. Comment pas fort la morale là? L'aime après c'est vous, qu'on est des mrelés. C'est cacas moi oui qu'a payé ça. On va faire des trois chèques pour, même pas pour mettre tout en rien. Allô papi. Mamie. Comment vas-tu? Fait toute nuit la pensée à ou. Ça fait 3 jours m'pa wè ou. Ka bon nan manke ou. M'a vinn pita chérie. Soit quitte pour moi. Yon lavage à sec. Eh ou, sa pot pour moi. Ah bébé, yon befoline, j'en remè là. Oh, merci. A plus tard. Yon toujours. M'a coupé $5,000 dans mes quand même. Allô? Allô, papi? Ah, Carla. Chérie. Ah, je dis à Maïe comme dit tout, Maïe comme dit tout. Gardons Tintin. Oh oh. Ou pas un corps pour chercher femme de yo. Rit bien en misère avec madame. Ça que devant m'en va un prix, non? C'est ça, oh man. Allô? 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 Chérie, ma sainte. Qui ça? Même toujours mettre sa porte. L'été chiré, oublié. Gardez quand la barre m'a dit, si elle a l'argent, besoin, dis-moi besoin l'argent. Ou pas besoin de venir plein, dis chérie, ma sainte, chérie, ma sainte. Dis-moi combien vous besoin. Machine, moi, en panne. Ma voix, je sais quoi, toi. D'accord. Merde, salope la kembim. Mais le vrai cobla quand même.
Bon, qu'on y a un poil fait des sèvres. Allô? Joli discours, présidente. Mais dans place où, t'as fait mieux. Ça cap pour la Carla. Son élection, c'est pas ton sélection. Yon élection? Non, ouais ça. Pour qui son nîmes comme ça, Carla? Mais on merde trop à la fin. Au contraire, ça fait ou m'a marché. C'est pas moi qui t'ai inscrit dans l'élection. Par méchanceté. Ou compte ça qui passe, côté m'pile, papile là. Ça sale pas bon pour vous. Morvin, c'est nom douce, moi. Quittez l'en paix. Son, devine qui est là. Qui? Marvin. Oui, dis-moi pas là. M'a déjà dit qu'on là. Ok, dis-le m'a venu. Eh bien, ok. Tu es venu jusqu'ici, Morvin. Je te chercherai partout, s'il le faut, présidente. Tu perds ton temps, tu le sais. C'est que j'aime perdre mon temps à tes côtés. Mais tu parais soucieuse. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Ça vaut la peine. J'ai pas obtenu la note voulue en maths. À propos, pourquoi tu agis ainsi? J'ai déjà évoqué toutes les raisons lors de mon discours. Et en plus, je ne pouvais pas agir contre la volonté de mon cœur. J'ai fait ce qu'il fallait. Je ne te crois pas. Allons, son. Bon, passons. Voudrais-tu être ma compagne pour la fête des finissants? Tu es en retard. Je suis déjà prise. Prise? Et par qui? Par quelqu'un d'autre, Morvin. En quoi est-ce que cela te regarde? Il y a tant de filles qui seraient raffrolées de ta demande. Écoute, son. Je ne peux pas m'empêcher d'être aimée par toutes les filles. Mais moi, je sais à l'égard de qui manifester mon amour. Tu es libre d'aller retrouver ta princesse. Qui t'en empêche? Je n'ai pas trompé d'adresse. Je suis justement devant elle. C'est toi, Sandy. Je t'aime. Pas moi. Je ne veux pas sortir avec toi. Nous formons le plus beau couple de l'école. Tu trouves pas? Son, ne gâche pas ce moment précieux qui nous est offert pour mieux se connaître l'un l'autre. Je te dis non, Marvin. Tu ne crois pas au bonheur? Cela veut dire qu'en sortant avec toi, je vais avoir le bonheur. Tu es trop présomptueux à la fin. Non, c'est pas ça. Rien qu'en m'accordant cette faveur, tu nous ouvriras une porte au bonheur. Son, je t'offre mes sentiments en bouquet. Je t'en supplie, accepte-les. Ils sont sincères. Waouh! Comment veux-tu qu'une jeune fille résiste devant une telle galanterie? Mais moi, je refuse de m'inscrire sur ton carnet de victime. Mais je me livre à toi et à toi seul, Sandy. À moi et à moi seul. Que feras-tu de Carla, de Medjin, de Josiane, de Maggie et j'en passe? Tu ne fais que mentir, Marvin. Camille! Camille! Viens me débarrasser de cette vipère! Mais c'est pas vrai, Sandy, seulement. Veux-tu m'accorder une minute? À une seule condition.
Laquelle? Que ce soit bien une minute. Avec toi, même une seconde me serait suffisante. Dépêche-toi, Marvin, je dois aller me récréer. Son, pardonne-moi, mais ce serait un crime si je ne t'avouais pas mon amour. Je comprends que tu en doutes. Et je comprends que tu te demandes si vraiment je suis sincère, n'est-ce pas? Mais chérie, comment voudrais-tu être certaine de mes sentiments si tu ne me fais subir aucun test? Si tu ne me livres à aucune épreuve? Mets-moi à l'épreuve, baby, mets-moi à l'épreuve. Mais ça fait longtemps que tu es à l'épreuve. Ok, pourquoi tu m'aimes? Je t'aime parce que... Stop. La minute s'est écoulée. Attends encore une seconde. À la prochaine. Attends, chérie. Sandy. Je t'apporte à boire. Décidément, ta ténacité est admirable. Tu es comme ça avec toutes les filles? Et c'est pour la première fois que je suis autant résisté. C'est cette qualité qui t'a empêché de m'avoir avant. J'aime ta façon de réfléchir, ta façon de parler. J'ai eu la chance d'être courtisé par quelqu'un qui incarne un gentleman. À mon avis, le plus durait cette aventure, le plus je me sentirais femme.